ma partie du coup en tant qu'artisan, mais hein, ton point de vue, il est que la valeur est jugée aussi à travers le temps passé par l'imprimeur. Et alors pas que l'imprimeur, en fait, c'est toute la chaîne de coût de la mise en fabrication, de l'impression de cette collection et de chacun des tirages. Donc le temps passé, c'est la dimension de la plaque. C'est également parfois les difficultés ajoutées lorsqu'il y a plusieurs passages, plusieurs couleurs. Donc le prix de vente est déterminé aussi selon ces critères-là. L'idée, effectivement, c'est que le prix de vente soit accessible à un plus large public. Sylvie Collignon, je suis expert en estampes anciennes et modernes. J'ai fait des études d'histoire de l'art à l'école du Louvre, avec un cours sur les techniques de la gravure, en parallèle des études d'histoire de l'art à la Sorbonne. Ça fait maintenant plus de 25 ans que je suis installée comme expert à mon compte. C'est une gravure, en fonction de si on regarde une gravure ancienne ou une gravure moderne, parce que on peut s'intéresser à des critères un petit peu différents, mais qui vont se rejoindre à un moment ou à un autre. Parce que pour les gravures anciennes, par exemple, on s'adresse à des maîtres anciens plus ou moins connus. Ensuite, on recherche si ce sont des gravures originales. Il faut que ce ne soit pas des copies. On regarde aussi la technique, parce que pour certains maîtres, ils sont plus connus pour avoir fait soit des gravures sur bois, soit des gravures sur cuivre. On s'intéresse aussi à la qualité du tirage. Ça, c'est très important, parce qu'une gravure du 16e, si elle est bien imprimée, elle sera très appréciée maintenant. On s'intéresse aussi à la qualité du papier. On s'intéresse à l'état de conservation. Une gravure ancienne, si elle est déchirée, si elle est restaurée, malheureusement, ça peut affecter sa valeur. Si vous aviez un tirage numéroté et signé, le prix de vente serait bien supérieur à celui qui est vendu pour l'estampe de la calcographie. Et puis également de la valeur artistique de la création. Bonjour, donc vous vous trouvez dans l'atelier de Maurice Maillard. Il était peintre, mais aussi graveur.
Pour Maurice Maillard, la gravure correspondait à une recherche artistique très précise, c'est-à-dire qu'il retrouvait avec la gravure la recherche intellectuelle. Il disait toujours que l'encre de la gravure lui faisait penser à l'encre de l'écriture et entre autres, bien sûr, à de la calligraphie en Extrême-Orient. Donc la gravure était à la fois un acte technique, mais pas essentiellement. Pour lui, c'était un élément de recherche artistique et de créativité intellectuelle. Je m'appelle Julien Brogard, j'ai 31 ans. Je suis originaire de France, en Bretagne. J'ai fait mes études à l'ECV Nantes. Et puis je me suis mis vraiment à l'illustration et le dessin en général à partir de 2016. Ce que j'aime bien dans tout ce qui est tirage, gravure, monotype, c'est pas forcément de faire une série d'un même tirage, mais plutôt d'utiliser plusieurs techniques différentes. Pour les assembler les unes aux autres et créer des œuvres uniques. Pour les estampes modernes, on s'intéressera plutôt au côté original, à savoir est-ce que c'est l'artiste lui-même qui a fait le dessin sur la matrice, qui l'a réalisé lui-même et qui a fait l'impression. Ça, c'est ce qui donne le côté original, entre guillemets, des estampes. Ensuite, on s'intéresse au fait que le tirage soit limité. Il faut donc, en général, qu'on ait une numérotation qui apparaisse sur le côté gauche. Ce qui est encore mieux, c'est d'avoir également la signature de l'artiste sur le côté droit. Ce n'est pas toujours le cas, parce que nous en avons l'exemple avec certains maîtres un peu plus anciens. À l'époque de Renoir, par exemple, ou de Toulouse-Lautrec, les estampes n'étaient pas forcément ni numérotées, ni signées, ce qui ne leur enlève pas non plus de valeur. Tout dépend de l'époque et de la façon dont les œuvres doivent se présenter. Et également, on s'intéresse à la conservation, à l'état de conservation.